Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir, frère Jorah. Je me suis converti en début d'année, vers le mois de mars-avril, et par le biais des vidéos, j'ai un petit peu douté, hein, bien sûr, quand on arrive dans une nouvelle vibration, on cherche, donc j'ai un petit peu douté du frère, c'est une confession en même temps. Et je me suis fait baptiser en septembre, et dans cette période-là aussi, j'ai eu deux songes. Je me revoyais au lycée. Dans mon lycée, à la Bridge, où j'ai fait mes classes, j'ai fait deux fois le même songe. Et j'ai des camarades, et je ne comprenais pas, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut que je reprenne mes études? Est-ce que... Puis, après moi, j'ai refait deux songes. Et dans ces deux songes-là, le professeur, c'était le frère Jorah. Voilà. Donc, c'était pour un petit peu situer un peu les choses. Donc j'ai arrêté de douter à ce moment-là, je me suis dit... Pourquoi tu doutais? Ben en fait, je regardais vos vidéos, et YouTube suggère d'autres vidéos. Des détracteurs. Voilà. Donc les gens qui font des vidéos contre vous, bon, on les regarde. Je les ai regardés aussi pendant un moment. Donc il y a un moment où, bon, voilà, ça balance un petit peu dans ma tête. Donc ma question, vers le mois de juillet août, j'étais à... au funérailles d'un ami d'enfance qui est décédé d'un cancer à l'âge de 49 ans. Et les pasteurs présents ont dit qu'ils l'ont suivi sur la fin et qu'il n'a pas eu le temps de prendre son baptême. Il fallait prendre 6 cours, il a eu le temps de prendre que 2 et ils l'ont avoué devant tout le monde le jour de ses funérailles. J'ai trouvé ça très. Et pendant la fin dernière, pendant l'enseignement sur la vision que vous avez faite pendant Didasco, j'ai repensé à mon ami d'enfance décédé le jour de ses funérailles. Je l'ai vu, entre le lieu des funérailles et le cimetière, être baptisé dans une mare à côté. Et là, je me dis, tiens, un mort se faire baptiser, d'où me vient cet esprit, cette idée? Alors, j'ai été chercher dans la Bible, et 1 Corinthiens 15, 29, où l'apôtre Paul dit, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour les morts? J'ai pas compris, je ne comprends pas. D'accord. Ça fait quand même mal au cœur d'entendre des gens, des pasteurs qui disent aux personnes qui veulent le baptême de recevoir d'abord des cours. Surtout quand il est à la gauche, sur la fin. Ouais, alors qu'il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'il faut donner un enseignement aux gens avant de les baptiser. Et c'est nous qui sommes les antichrists, c'est nous qui sommes les faux, c'est nous qui sommes Satan, tout ce que tu veux. Enfin, c'est le monde à l'envers, c'est écrit, ça va arriver malheureusement. Les mormons, donc les saints de dernier jour, selon leur propre dénomination, leur propre conviction, disent que si quelqu'un meurt sans Dieu, sans Jésus, eux, ils peuvent le baptiser, ou baptiser un membre de sa famille en son nom pour que la personne décédée soit sauvée. Et il se base effectivement sur 1 Corinthiens 15, 29. Et ce n'est pas ce que les apôtres ont enseigné, ce n'est pas ce que Paul a enseigné concernant le salut, parce que là, il est question du salut.
Alors, si vous ne voulez pas mettre en place une doctrine ou une secte, si vous ne voulez pas créer une secte avec la connaissance que vous avez, n'isolez pas des versets bibliques. D'accord ? Ne les interprétez pas sans tenir compte de l'ensemble des Écritures. C'est important de le souligner. Et je m'explique. Je ne sais pas, il n'y a pas de feutre ici. Vous avez le Tanakh. D'accord ? Tout le monde voit là ? Ok. Vous avez le Tanakh, Torah. Donc je veux vraiment répondre correctement à cette question-là pour vous aider. Vous avez les Nevi'im. C'est-à-dire les prophètes. Et vous avez les Ketuvim. Les écrits. Les psaumes, tout ça, proverbes. Et ça, c'est la Bible hébraïque. D'accord ? Et ce que beaucoup malheureusement appellent faussement Ancien Testament. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Ancienne Alliance, oui, mais pas Ancien Testament. Et ensuite, vous avez les évangiles. Qui ne sont pas non plus le Nouveau Testament. Parce que comme il n'y a pas d'Ancien Testament, donc il n'y a pas non plus de Nouveau Testament. D'accord ? Et vous avez ensuite le testament de Jésus. Testament de Jésus pour la Nouvelle Alliance. Voilà ce qu'on appelle les Écritures. Maintenant, ta question est relative au salut. Maintenant, il faut te dire, qu'est-ce que la Torah dit par rapport au salut ? C'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible. Qu'est-ce que les Nevi'im disent, donc les prophètes, sur le salut ? Et qu'est-ce que les Écritures disent également, donc les Ketuvim, sur le salut ? Parce que Ésaïe a parlé du salut. Et ensuite, qu'est-ce que Jésus-Christ, dans les Évangiles, a enseigné sur le salut ? Et pour finir, les écrits du Testament de Jésus-Christ ou de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que Paul a écrit sur le salut ? Qu'est-ce que Jacques a dit sur le salut ? Qu'est-ce que Pierre a dit sur le salut ? Et quand on voit dans le grec, par exemple, pour parler du salut, on a plusieurs termes. On a sozo, par exemple. On a soteria. Et ces termes-là, ça signifie littéralement délivrance. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 27, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement, la condamnation. Et Paul, dans Hébreux, dans Romains 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réellement ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et les psalmistes, tout ça, notamment David disait, les vivants sont ceux-là qui te louent et non les morts. Et il est dit également que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Or les morts n'entendent pas. Donc, on comprend bien que dans 1 Corinthiens 15, 29, ceux qui ont des chewing-gums, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste les mettre de côté comme on est dans la présence du Seigneur, si c'est possible, à moins que vous ayez un problème de nausée. Merci. Et donc, dans 1 Corinthiens 15, 29, Paul ne dit en aucun cas que les morts peuvent être sauvés. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire concrètement ? Parce que c'est le seul verset où il est question de baptême, pas pour les morts. Il est simplement, quand on regarde le contexte de l'Église primitive, l'Église est née sous l'Empire romain, elle était persécutée par les Césars,
Elle était également persécutée par les Juifs. Il y avait également la persécution de la part des faux frères, notamment les partis des pharisiens. Et beaucoup parmi les chrétiens étaient morts à cause de leur foi, notamment Étienne, le premier martyr. Et beaucoup de gens avaient peur de se convertir parce qu'ils se disaient, si c'est pour mourir, alors ça ne vaut pas la peine. Et donc il y avait cette peur qui était là. Et dans 1 Corinthiens, toute l'épître de Paul aux Corinthiens, par la première épître, il est question, quand tu prends 1 Corinthiens, verset 15, Paul parle de la résurrection des morts. Il dit, si les morts ne ressuscitent pas, alors dans ce cas-là, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, nous qui croyons en Christ. Et quand on connaît un peu l'histoire grecque, la culture grecque, en fait, les Grecs disaient, comme Platon, Socrate, bien avant Platon, comme plein de philosophes, les Grecs disaient que l'âme est immortelle. Mais ils ne croyaient pas en la résurrection corporelle du corps. Ils ne croyaient pas en cela. C'est pour cela que quand Paul arrive dans Acte 17 à l'Aéropage, c'est un tribunal public, un lieu de débat, d'échange à Athènes, il va parler du Seigneur, il va prêcher l'évangile, et lorsqu'il va parler de la résurrection des morts, il est écrit que les stoïciens qui étaient là, les épicuriens qui étaient là, c'est-à-dire les philosophes, hein, quand ils ont entendu parler de la résurrection, ils ont dit à Paul, nous t'entendrons parler de ça là-dessus une autre fois. Alors, ils sont partis. Parce qu'ils étaient choqués. Tu ne pouvais pas dire à un grec, à l'époque, que quelqu'un pouvait ressusciter corporellement. Et c'est pour cela que Paul dira dans 1 Corinthiens 15, 29, alors si dans ce cas-là, nous, si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection corporelle, alors ceux qui se font baptiser pour les morts, pourquoi ils le font? Littéralement, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Ceux qui prennent des places vacantes, laissées par des personnes décédées, des chrétiens décédés, tout simplement. Donc c'était une sorte de baptême, parce qu'ils endossaient leur responsabilité, leur charge pour continuer le travail. Et chez les Hébreux, les pères, avant de mourir, ils transmettent l'héritage aux enfants pour continuer le travail. Donc c'est une sorte de baptême, parce qu'ils endossaient la charge des pères pour continuer le travail. Et les chrétiens qui mouraient, laissaient, le travail ne pouvait pas mourir, enfin, s'arrêter avec leur mort. Il fallait qu'il soit continué, qu'il soit perpétré. Voilà pourquoi Paul parle du baptême pour les morts, mais il ne parle pas du baptême physique, de l'eau. Il parle de l'œuvre qui devait se faire malgré la mort de ces personnes-là. Voilà. Et en gros, il voulait dire, si ces personnes-là, qui laissent leur place vacante, qui meurent en Christ, donc si elles ne peuvent pas être ressuscitées, ça sert à quoi alors de continuer au travers de leur place, de prendre le risque qu'elles-mêmes ont pris au point d'être exécutées. Donc ça sert à quoi de prendre ce risque-là? Tu vois le contexte? Voilà. Donc c'est pour cela que si vous voulez prêcher l'évangile, ceux qui veulent prêcher, c'est bien, mais on ne prêche pas pour prêcher. Il faut vraiment être enseigné pour avoir tout un contexte à avoir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de choses, des divisions dans les églises aujourd'hui. Et quand un message arrive, la vérité arrive ici et là, ceux qui ont reçu des fausses doctrines, ils peuvent s'y opposer parce qu'ils disent « c'est pas normal, c'est pas possible ». Nous, au niveau de Paris, on se bat pour former les frères et sœurs en leur disant qu'il faut tenir compte de un certain nombre de contextes pour pouvoir annoncer l'évangile. C'est important. Il y a l'esprit, oui, mais il y a des bases qu'il faut aussi avoir pour annoncer l'évangile. Par exemple, j'entends des gens, des chrétiens parler en disant « Oh, je lisais la Bible, j'ai eu une révélation. » On n'a plus de révélation en lisant la Bible. Ce ne sont pas des révélations. C'est à cause de cette mauvaise compréhension qu'on a, justement, des sectes, qu'on s'est éloigné de l'évangile. Et la Bible, enfin les écrits de Genèse et Apocalypse, constituent la révélation que Dieu a donnée aux hommes. D'accord? Cette révélation a été écrite. C'est ça la révélation. Parce que si vous dites que vous avez une révélation, cela veut dire que le canon biblique n'est pas complet, hein? N'est pas achevé. Et c'est pour cela que les gens viennent avec leurs bouquins, ils disent, bon, ben, lisez-moi, ils mettent leurs livres sur le même pied d'égalité que la Bible. Alors que la foi a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc ce sont des illuminations que nous avons et non des révélations. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc il faut vraiment faire attention. Moi je vois des jeunes qui ont l'appel, des gens qui ont l'appel authentique, mais ils ne sont pas enseignés, ils sont ordonnés pasteurs, ils se précipitent dans l'œuvre, ils font n'importe quoi, ils égarent des gens
et ils ne veulent pas être formés, enseignés parce qu'ils estiment qu'ils ils reçoivent des anges du Seigneur, alors que le corps de Dieu, c'est nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Voilà.